Hello les amis, c'est Star et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes sur Subnautica. Ça fait pas mal de temps et j'aimerais bien redécouvrir ce jeu, revenir sans faire un let's play, pas un let's play mais sans faire un gameplay ou des vidéos d'épisodes et tout. Mais on va revenir sur une partie. On va commencer une nouvelle partie en survie. On va aller en survie, on va commencer vite fait une nouvelle partie pour redécouvrir ce jeu. Je ne me rappelle plus de rien. Je vais essayer de m'en rappeler. Oula, ça commence. Appuyez sur n'importe quelle touche pour continuer. Ok, voilà. Entrée. Je me rappelle plus de l'intro. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné l'intro. Oulala, là là. C'est parce que. Oulala là là. Ah oui, c'est vrai, quand le vaisseau était en danger, c'est vrai. Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, ce gros vaisseau. C'est l'Aurora, voilà l'Aurora. Actuel. Qu'est-ce qui se passe? Oulala. Oulala. Oh putain, il s'est fait assommer. Putain, la plaque des ténèbres. Putain, le feu. Au feu! Il y a les feux. Vite! Voilà, t'appuies dessus. Putain, la musique d'ambiance. Allez. Faut qu'on prenne ça. Voilà. Oh putain, non, pas dans le feu. Ok. Altera, d'accord, Altera. Vous avez subi un léger traumatisme crânien. Au regard de votre situation, aucun résultat n'aurait pu être au plus optimal. Ok, on a un extincteur. Dans une seule mission, vous maintenir en vie sur une planète alien. Veuillez vous référer à la base de données pour guide de survie détaillé. Bonne chance. Ok, ok. Alors, non, c'est pas ça. D'accord. Bon, ça, on peut rien faire. D'accord, on peut rien faire. On va sortir dans le monde. Le monde alien. Bon les mecs, on y va? Allons-y. On saute dans le monde sous-marin. Oh putain. Oh là là, c'est vrai que ce jeu est magnifique. Briser la fleur. Ah oui, ça je m'en rappelle. Je dirais qu'il y avait des calcaires comme ça. Minerai de cuivre. Oh, on va pas aller dans les profondeurs maintenant. Oh putain, l'oxygène. Non. Vite. Putain, c'est vrai qu'on a un petit peu limité sans l'oxygène. On a un Gary Fish. On a obtenu un Gary Fish. C'est quoi ça? Un boomerang. Ça? Un pochon. Ah oui, le pochon, il permet de boire, je crois. C'est un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est quoi ça? Un Sea Glide. Oh, merde, reviens. Reviens. Bon bah d'accord, il est parti. C'est quoi ça? Un Peeper. Deux Peeper. Trois Peeper. Putain, on est en train de faire à fond la bouffe là. Oh, putain. Je sais pas, j'ai entendu faire. Il y a eu un petit bruit qui s'est fait. Ok, c'est vrai que le jeu il est magnifique. À niveau graphisme, il y a eu un petit lag bizarre. Je crois pas que ça vienne de mon PC, ça vient du jeu là. Parce que. Il y a aucun problème. Si je crois que je suis en bêta. Ou je sais pas si je suis en version officielle. Alimentation, nourriture. Ah ouais. Ah oui, eau filtrée, pochon. Ok, pochon. On peut faire un pochon. Nourriture, Peeper. Peeper.
Putain, on est bien niveau nourriture là. On est bien niveau nourriture. Piper, c'est quoi? Gary Fish. Gary Fish. Boomerang cuit. Ok. Et là, on peut. Attendez, comment on. Voilà ça. On peut manger. Voilà, j'ai bien mangé. Ok. Ça, ça se récupère. C'est quoi ce bruit? Vous avez pas entendu ce gros grognement? Je l'entends du ce bruit. Hein. C'est le. Il y avait pas un gros méchant là qui. Je sais plus du. Comment il s'appelle le gros méchant là. Le Léviathan, voilà, le Léviathan. C'est ce gros truc qui grogne comme ça. Hein. Si, si, je crois que c'est lui. En fait, depuis tout à l'heure, je fais que de récolter des poissons, mais ça ne m'apporte à rien. Il me faut des minerais. Ce qu'il me faut, c'est des minerais. On va avancer un peu dans l'étape du jeu. Nous, on veut des minerais. Œuf de créature. Œuf de créature, nous avons. Oxygène, ok, je le sais très bien que j'ai. Oh! Ouais. Nickel ça! Ouais. On y va dans le corail géant! Hein? Ah, mais c'est. C'est un champignon ce truc! Champignon acide! Mais quand je vous dis, je connais plus le jeu, hein, je le connais vraiment plus! Je suis perdu. Pourquoi il y a plus de calcaire? Merde. On va casse-toi. On arrive dans une zone dangereuse. Oh putain, c'est quoi ça? Oh les mecs, oh putain! Oh fais attention, j'ai un extincteur. Oh fais attention, j'ai un extincteur. Ne t'approche pas de moi. Putain, c'est quoi ça? C'est un poisson qui a muté. Ça y est. C'est quoi cette merde? C'est avec les radiations. C'est avec les radiations, ça y est, c'est un poisson qui a muté. C'est un Piper. Oh putain, une armée. Il y en a une armée, les mecs. Ils viennent tous de se muter. Oh putain. Putain, c'est quoi ce merde? Oh putain, ils sortent tous de là. Il y a quoi ici? Ça doit être leur nid. Oh putain, ils m'attaquent. Ils me lancent des projectiles. Oh, oh, oh. Il vient vers moi. Oh putain. Sérieux? Putain, putain, ils font peur ces mecs. Non, je pense que c'est un poisson qui a muté. Ça y est, ils ont muté. Oh putain. Oh putain, cassons-nous. Vite, vite, vite. C'est quoi ça? Putain, vite, vite.
Oxygène, ouais. Il y a l'oxygène. Ces merdes là-bas, faut peut-être pas s'en approcher. On va le contourner. On arrive dans des biomes profonds. Oh putain! Casse-toi! Mec, il vient vers moi, il m'attaque. Dangereux, mais par contre, je trouve toujours pas de calcaire. Oh putain, il va faire nuit. Putain, il va faire nuit. Ah, il va faire nuit, il va faire nuit, il va falloir voir pour des piles. Parce que je y avait une... Attends, faut qu'on trouve un... Je sais que je crois que ce champignon il fait des piles, je crois. Mais... faut qu'on aille voir pour la nuit parce que vous voyez, il fait un peu sombre là. On va rentrer. On va rentrer, on va voir ce qu'on peut faire. Pour survivre à la nuit, déjà on peut faire des piles. Pour l'instant j'en ai pas besoin. Un coup de caoutchouc en silicone, ça se craft ça? Graines de vigne d'Orin. Ok, ça se craft. Ah, lampe torche, pile vert. Comment on fait du vert? Déjà, on a les piles. On va faire une pile. Comment on fait du vert? Batterie haute capacité, nouveau schéma synthétisé. Ok, mais moi je veux savoir comment on fait du vert. Du vert quartz 2. On n'a pas encore trouvé de quartz. Hein. On n'a pas du quartz. Il faut. Oh putain, il fait. J'aime pas ça. Il fait noir. Putain, j'aime pas quand il fait noir. On va rien. Tu vois, on va se faire. On va aller dans un biome dangereux. On va se faire attaquer parce qu'on voit rien. Tu vois, ça va être ça. Ouais, faut. C'est ultra dangereux, tu vois, avec notre petit doudou à la main. Notre petite peluche à la main. Tube de courage géant. On n'a pas de quartz, ça se trouve où les quartz? C'est du calcaire les quartz. C'est juste faut trouver du calcaire, mais pour les trouver là, bonne chance. Ça. Là, il est où? Il est où le quartz? Bah aussi on peut pas vraiment. En vrai ça doit être dégueulasse pour vous. Là il fait tellement noir. Et nuit. Oh je rêve, il y a une attaque. C'est quoi ça? C'est une lune alien. Oh, regardez elle bouge. C'est une lune alien. Alors pour l'instant on peut rien faire. On peut faire juste un scanner, mais tu vois on va pas user d'autres trucs pour un scanner. Kit de soir maille de fibre. Fabricateur de kits médicaux. D'accord, ça fabrique des kits médicaux, c'est pratique ça. Bon, on va faire de l'eau, tu vois. On commence à avoir soif. Voilà, comme ça. On boit tranquillement, on peut même avoir le lu. Comment on a perdu de la vie? C'est quoi on va se mettre? On va se mettre full vie, tu vois. Oh, il y a ça à réparer, il y a ça à réparer. Bah, il y a des fuites dans tout le truc. Ok. Trouvons du quartz. Putain, il n'y a pas de quartz. Il est où? C'est le calcaire.
Ah non, le quoi? Le quartz, c'est des espèces de trucs blancs par terre. Des espèces de cristaux. Faut les trouver. Il n'y en a pas. C'est quoi ça? Détection du niveau de radiation locale. Ça fait peur. J'ai super peur. Regardez ce que c'est quoi ça là-bas, c'est le vaisseau. C'est le vaisseau ça là-bas. Putain les mecs, il n'y a même pas de quartz. Putain, on va être déçus. On va être déçus de ça. Il n'y a même pas de quartz. Ah, ça m'a fait nuit et à jour. On verra mieux, on verra mieux. Calcaire. Titane. Titane. Nickel. C'est quoi ça? Ramasser Piper. Ah mais ça... Bah, il était bizarre ce Piper, c'était pas le même. Je cherche du quartz. Toujours pas de quartz, putain. À la recherche du quartz. Où es-tu le quartz? On te cherche. Tel un poisson sous l'eau. Où es-tu? On se rapproche de l'aurora. On est de plus en plus près de l'aurora, même si on est à des milliers de kilomètres de là-bas. Non, je sais pas. Alors toi, faut faire. On va attention. Oh putain, on est suivi. On est suivi par un Piper. Bon, c'est disparu le quartz, mais il y en a pas. Sérieusement, mais sérieusement, où es-tu le quartz? On te cherche, tel un poisson sous l'eau. Oxygène vite, il y a souvent l'oxygène, faudra changer, faudra mettre un truc en plus, je pense. Putain, il... Il fait plus nuit, hein. Mais le quartz ça sert. Oh, d'habitude, pourquoi il y en a pas là? Bon, la recherche de quartz a expiré. A expiré. Non, bon, c'est pas grave. Les amis, ça fait pas déjà 20 minutes de vidéo et on va s'arrêter déjà ici pour cette vidéo. N'hésitez pas, voilà, avec ce beau jeu de Subnautica. N'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir, ainsi qu'à liker, ça ferait toujours plaisir. En tout cas, j'étais heureux de vous faire cette petite vidéo sur Subnautica. Et en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Star, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.